Salut à tous et à tous, c'est Timir pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo informative pour vous annoncer que le jeu d'Ubisoft Far Cry 6 a fuité aujourd'hui. Donc il a leaké sur le PSN hongkongais. Donc vous avez dégoûté quand même. Hein. Far Cry, Ubisoft tout le temps, leur jeu il leak. Donc simplement le jeu il a fuité aujourd'hui. Donc on a l'artwork, l'intrigue du jeu et aussi la date de sortie. Donc je vais vous présenter l'artwork du jeu tout de suite. Donc le grand méchant du jeu, ça sera un dictateur du nom de Anton Castillo. Donc sera interprété par Giancarlo Esposito. Donc c'est un très grand acteur qu'on peut voir dans de nombreux films comme Le Labyrinthe par exemple, ou des séries très très notables comme Breaking Bad bien évidemment, son rôle de Gustavo Fring, Los Pollos Hermanos, et également aussi un général je sais plus dans Star Wars Mandalorian. Donc c'est pas rien non plus. Donc ça il a beaucoup de charisme. Donc donc le jeu du coup se déroulera sur une île tropicale pardon, du nom de Yara. Donc c'est un pays décrit comme figé dans le temps. Donc ce sera sûrement un peu style époque un peu cubaine, ça vous voyez, je pense, à mon avis. Donc le dictateur Anton Castillo sera prêt à tout pour redonner sa gloire perdue à son pays. Et histoire de garantir sa mainmise sur le pouvoir, il prépare son fils Diego, qu'on peut voir juste en dessous, hein, afin qu'il marche dans ses pas, pardon. De son côté, le joueur incarne Danny, un natif de Yara qui a rejoint la guérilla dans le but de libérer son pays. Donc tout à fait classique, hein, Far Cry, voilà, c'est même toujours pareil. Hein. Mais bon, moi j'espère quand même qu'on aura quelques nouveautés, qu'on verra bien. Donc d'après Ubisoft, Far Cry 6 disposera de la plus grande map de l'histoire de la série. Donc encore heureux, hein, c'est logique. Donc cette dernière permettra au joueur de découvrir la jungle, les plages et aussi la capitale de Yara. Pour mener à bien son combat, Danny pourra utiliser des armes, des véhicules, mais aussi des partenaires. Donc, peut-être qu'on aura le droit à de la coop, un petit peu comme dans Far Cry 4 et le 5, je sais plus s'il y avait de la coop ou pas. Donc le PlayStation Store hongkongais révèle également la date de sortie du jeu. Donc le jeu sortira le 18 février 2021 et les possesseurs de la version PS4 du jeu pourront bénéficier gratuitement de la mise à jour PS5. Donc si vous avez le jeu sur le PS4, vous aurez le jeu sur PS5 gratuitement. Donc ça c'est une super bonne nouvelle, hein, c'est très très bien. Donc on aura plus d'informations sur le jeu dimanche 12 juillet lors de leur Ubisoft Forwards. Donc ça sera sûr, donc le jeu sera officialisé pendant la conférence. Donc voilà, donc j'espère qu'on aura du gameplay, ça serait cool. Et donc là comme vous pouvez le voir, on a l'édition ultime avec le steelbook donc de la version PS5. Donc ce sera la jaquette du jeu. Moi je suis pas très fan, mais bon c'est plutôt sympa quand même, j'aime bien. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. C'était Timmy et salut tout le monde.